Et on va terminer par une bonne nouvelle. Le compte de Jean Messia, suspendu définitivement, il a été réactivé apparemment. On va pouvoir de nouveau se marrer. Donc voilà. Notre cher Jean Messia récupère son compte. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Pourra de nouveau se marrer, même si bon, c'est pas. C'est vrai que c'est un provocateur et tout à fond, donc c'est pas, c'est sûr que bon, il fera un bon ministre de l'Intérieur, je pense. Mais bon, en tout cas, c'est cool parce que la liberté d'expression peut-être revient un petit peu. Je ne sais pas si c'est à cause d'Elon Musk. Mais en tout cas, je n'ai pas récupéré mon compte de fasciste. Enfin bon, voilà, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, sinon, je vous souhaite une bonne journée. C'était très intéressant de ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de choses encore. J'ai énormément dépassé. N'oubliez pas de vous abonner, de soutenir les médias que je regarde, de vous abonner à la chaîne, de liker si vous le sentez, si ça vous plaît ce que je fais, de partager aussi, pourquoi pas, mais aussi de me rejoindre sur Telegram. Il y a le lien en description pour pouvoir me donner des articles ici que vous voulez que je lise si ça vous intéresse. Et sinon, n'oubliez pas que la famille, c'est ce qui est le plus important. Protégez-la. Je sais que pas tout le monde a eu la chance d'avoir une famille géniale comme moi j'ai pu avoir, d'autres que je connais qui ont cette chance. Pour cela, vous pouvez faire votre propre famille et la protéger. Trouver une femme ou un homme qui vaut le coup et fonder une famille parce que c'est ce qu'il y a de plus magique au monde, je vous assure. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour de nouvelles revues de presse à 6h30. Au revoir, bonne journée à tous.